20% de mes cadeaux, je vais acheter locaux. Dans les faits, j'ignore complètement si je vais vraiment procéder à des achats pour des cadeaux de Noël dans un premier temps. Puis deuxièmement, c'est évident que si jamais j'y procédais, que je le ferais définitivement auprès des commerçants locaux parce que j'ai toujours été vraiment attaché à tout notre centre-ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je vais faire une petite proportion de mes achats dans des commerçants locaux. Moi, j'habite à Saint-Sébastien, puis pour moi, des commerçants locaux, c'est des commerçants autour de village de Bedford ou même jusqu'à ici, Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait que je te dirais que peut-être 25% de mes achats, je vais les faire à des commerçants locaux, des petites boutiques, puis la majeure partie des choses, je vais les acheter dans des grosses chaînes. Je vais faire tous mes achats de Noël chez des commerçants locaux. Et de plus, j'enveloppe tous mes cadeaux dans du papier journal au lieu d'utiliser des papiers non recyclables. Bravo! Merci. Pour la prochaine période du temps des fêtes, je prévois faire environ peut-être 10 à 15% de mes achats ici localement. Bon, mine de rien, on était à 25. On est rendu à combien, mettons? À 28, 30. Déjà? Mais Thierry, mais moi, là, pour les cadeaux, je vais pas acheter autant local que, mettons, pour les choses que moi j'ai de besoin. Mais si t'achètes un vélo, là, je l'ai acheté d'un commerçant local. Je vais m'acheter... Non, c'est vrai. Je vois pas... Mais pour les cadeaux, on dirait que je pense pas à ça. Là. Quand c'est le temps de faire des cadeaux, on dirait qu'on pense plus à économiser que quand c'est le temps pour acheter quelque chose pour nous. Puis moi, je magasine dans le coin parce que j'habite dans le coin. Là. Puis finalement, tu te rends compte qu'en faisant du troc et tout ça, ben tu finis par faire de l'achat local peut-être plus que tu le penses. Ouais, j'encourage pour faire rouler l'économie locale en faisant du troc, ça c'est vrai.